Vu le contenu du dernier match, on est assez satisfait. Il y a des matchs dans lesquels il faut se rassurer dans le jeu, il y a des matchs dans lesquels il faut être efficace et prendre les trois points. Au niveau du jeu, c'est vrai qu'on est quand même très serein, très conscient qu'on peut rivaliser avec les équipes de notre mini-championnat, nous, entre guillemets. Maintenant, il va falloir commencer aussi à engranger les points, mais on est quand même, c'est quand même plus facile de bosser sereinement quand on a des contenus comme le dernier match de Toulouse. L'important, je pense, dans les championnats, c'est de faire des séries. Déjà, on a stoppé la spirale négative de défaites d'affilée. Mais c'est vrai qu'avoir cette première victoire à domicile pourrait quand même nous rebooster et être très encourageant pour la suite. On le sait, on en est conscient. Après, c'est pas une pression négative non plus. Beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Après, l'équipe a beaucoup changé, ça fait quelques années maintenant. Je continue quand même à suivre les résultats, j'ai toujours des contacts avec la direction de là-bas, donc c'est que des bons souvenirs. Après, ils ont un début de saison un peu poussif. On a l'impression que le groupe peut-être commence à douter, contrairement à nous. Je pense qu'ils ont quand même plus de pression que nous sur ce match. À nous d'en profiter. Je me sens très en jambes quand je rentre sur le terrain, très en jambes à l'entraînement aussi surtout, donc beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je commence à bien aussi connaître mes coéquipiers, maintenant les automatismes sont là, donc je sais comment jouer quand je rentre sur le terrain et eux savent comment jouer aussi quand moi je rentre sur le terrain, donc très bien. Ouais. Les remplaçants sont aussi là pour débloquer des matchs, j'espère arriver aussi à faire ça. Être un super sub, ça serait déjà quand même un bon rôle à avoir à jouer. Et j'espère quand même être plus décisif en rentrant au cours des prochains matchs.